La petite Pépé sort de chez Maxime. Elle est saoule et ça se devine. Le vampire du tombeau hanté lui saute dessus pour l'embrasser. De sa grande bouche sensuelle, il lui donne le dernier baiser mortel. Et dans la nuit, le tout Paris entendit ce cri. Notre vampire enfin comblé lâche sa proie déshydratée, mais le sang qu'il vient de sucer est beaucoup trop alcoolisé. Ne tenant plus sur ses guibales, il s'écroule, croule, il s'écroule sur le sol. Au petit matin, le tout Paris entendit ce cri. Notre vampire se réveilla sur le banc du commissariat. Pendant son interrogatoire, il ne but que du café noir. Bientôt la faim lui tenailla, yaya, lui tenailla l'estomac. Quand vint le soir, le tout Paris entendit ce cri. C'était le cri du commissaire qui se faisait sucer les artères par un vampire décontracté qui lui prouvait son amitié.